Bonsoir les amis, bienvenue pour votre nouvelle émission du Monday Time Rugby. Vous voyez, je suis revenu, hein, parce que la dernière fois, j'étais pas là, même s'il y a un joli mannequin qui m'a remplacé, n'est-ce pas Yvan? Donc on a le plaisir de vous retrouver pour notre émission spéciale rugby, avec un ordre du jour et des invités, encore une fois, de choix. Je pense que ce soir, on va encore passer un très très bon moment. Hein, Yvan, t'en penses quoi? Je pense qu'on va rigoler 5 minutes. Ouais. Donc simplement pour faire un petit coucou à nos amis du foot et du basket, donc ce mois-ci exceptionnellement Monday Time Rugby, premier lundi du mois, vous retrouvez nos amis du basket dès lundi prochain, Olivier Gauteret et Loïc Doussand. Un petit coucou aussi à nos amis du football, Rachid Imarachen et Julien Bérangier, qui ont fait une très très belle émission il y a quelques semaines de ça, il y a quelques jours de ça, puisque vous avez été très nombreux à les suivre sur cette émission avec un plateau assez relevé. D'ailleurs, Yvan, on fait un petit coucou à Julien. Je sais que son opération s'est bien passée, mais aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier pour Julien, parce que je crois qu'il fête son anniversaire. Donc, joyeux anniversaire, Julien. Tu parlais de l'opération du nez, c'est ça? Pourquoi? Il a fait une autre opération? Je sais pas. La première était loupée, ils ont recommencé. Donc, écoute, Julien, l'apéro, la prochaine fois, c'est pour toi. Yvan, je disais qu'on allait avoir un plateau assez relevé aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des invités que nous allons avoir ce soir? Que tu les connais bien, je crois. Alors, je les connais bien. Mais par contre, je pense qu'à la fin de l'émission, on se connaîtra très bien. Et ils peuvent nous surprendre. Donc. Je pense. Mais on a un plateau qui penche fortement à l'est ce soir. Fortement à l'est. Côté russe. Pas côté russe, mais côté Var, en fait. Côté on Var. On est allé chez les cousins du Var chercher la compétence. Ils jouent au rugby dans le Var. Et on en discutera tout à l'heure. On en discutera. Donc le premier, c'est Fred Orsini, l'entraîneur des Avants d'Aubagne. Donc on est à l'est du département des Bouches-du-Rhône. Hein. N'en déplaise à Monsieur Grisoli, Jean-Baptiste, qu'on embrasse. Je lui avais promis de lui faire un petit coucou. Alors Aubagne, comme pensionnaire de la poule 6 de la Fédérale 3. Mais avant ça, il y a la Valette, il y a le RCT, il y a Bastia. Donc c'est en Varois ce soir qu'il est là, même si on va prendre le temps de discuter de cette belle poule de Fédéral 3. On a notre ami Seb Bénis, ancien joueur du RCT dans les années 2000, qui a été une année au RCC, l'année 98. C'est là où on s'est croisés d'ailleurs. Et il se caractérise lui-même comme un voyageur dans l'âme, tu vois. Espérons qu'avec lui ce soir, on va voyager. Il va nous faire voyager, Seb. Alors, on a David Jobert. On a l'honneur d'avoir David Jobert. Alors, pour ceux qui sont nés dans les années 70, comme moi, ça représente quelque chose parce que c'est ni plus ni moins qu'un ancien joueur du RCT qui a été champion de France en 87 et en 92, les deux titres du RCT après-guerre, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et un petit rappel, hein, 87. Tu l'as vu, toi, ces finales, la contre le Racing. Hein, victoire 15-12 avec le seul essai du match, David Jobert. Et en 92, une victoire du RCT qui a fait beaucoup pleurer parce qu'en face, il y avait Blanco. Donc, il y avait des supporters qui étaient pour le BO rien que parce qu'il y avait Blanco. Des supportrices, bien sûr. Mais une belle petite équipe jeune du RCT avait gagné 19-14. Je crois aussi, David, il nous en dira peut-être un petit mot tout à l'heure, qu'il y avait quelques sélections en France A aussi. Et notre guest. Et notre quatrième invité. C'est le quatrième invité, mais qui connaît les lieux, qui connaît la maison et qui se fait un plaisir d'être avec nous. Mais nous, on a un grand plaisir d'être avec lui. C'est Jean-Marc que nous ne nous présentons plus. Alors, on a dit qu'il y avait des Varois, mais lui, c'est un citoyen du monde. Citoyen du monde d'Ovalie, j'avais même écrit. Tout à fait. D'Andaille jusqu'au Mourillon, en voilà. Passant par Château, voilà. En s'arrêtant à Istres. Voilà. Et j'en passe. Donc, vous voyez, on a mis le cap à l'Est. Et on va mettre à l'honneur ce soir le rugby varois, avec quelques histoires certainement qui viendront au fur et à mesure de la soirée. Donc premier temps, comme promis, on va s'attarder sur les résultats et les classements des régionaux sur la Fédérale 1, Fédérale 2, Fédérale 3. On échangera sans tabou sur les mœurs qui ont fait la renommée du rugby varois. Ensuite, nous papoterons sur l'actualité de l'équipe de France et son lien avec le RCT, justement. Et on ne pouvait pas manquer cette actualité avec, je l'imagine, autour de la table, beaucoup de sourires sur cette belle victoire. Et enfin, nous finirons, comme on fait d'habitude, avec la surprise du coach qui sera à forte dominante rouge et noire ce soir. Fred, oui. D'entrée, on va enchaîner sur les résultats. C'était un week-end de repos ce week-end, un week-end off. Mais il y avait un match en retard de la journée 8, en fait 3 de la poule 6.
au bagne se déplacer au Ponte. Le Ponte, la dernière Monday Time, on avait Michael Mabillon, l'entraîneur du Ponte qui était là, on l'embrasse. Et en fait, une petite victoire du Ponte 22-17 en nocturne samedi soir, c'est pas passé loin, Fred. Oui, oui, effectivement. Après, bon, c'est vrai qu'on sortait, nous, de deux matchs compliqués. On est allé aux Angles, qui sont premiers de poule. Après, on a reçu Draguignan, qui était troisième. Et c'est vrai que c'était notre troisième match. On a été un peu dans le dur au Ponte, qui affiche cette année une très belle équipe. On a des regrets après ce match, parce que, bon, dans l'ensemble, on a quand même bien figuré. Après, c'est vrai que notre maladresse près des lignes et notre indiscipline nous a normalement pénalisé. Mais bon, c'est vrai que sur l'ensemble du mois de janvier, depuis le mois d'octobre, on n'avait pas perdu un match. On est en train de se remettre dans le droit chemin. Mais c'est vrai qu'il faudra compter sur le Ponte, qui depuis quelques années ne figurait pas dans les favoris. Puis bon, cette année, c'est vrai qu'effectivement, on se rend compte de la marge de progression qu'il y a eu. Et bon, la défaite est normale. Mais bon, c'est vrai qu'on y laisse un peu de regret, parce que c'est vrai qu'on serait sorti une autre série de matchs comme ça, on aurait peut-être pu. Mais là, c'est vrai que rencontrer le premier, le second et le troisième, on a été un peu épuisé. Mais bon, on a quand même ramené des bonnes choses, un point de bonus défensif qui nous rassure et puis bon, qui nous empêchera certainement pas de nous qualifier. Oui, parce que là, ce triptyque contre les trois premiers vous laisse quand même sixième à quatre points du troisième. Donc c'est. Oui, c'est avec encore un match de retard. Avec un match en moins. Donc c'est en adéquation avec vos ambitions sportives. Exactement. Après, nous, c'est de figurer dans les quatre premiers, bien sûr. Après, c'est vrai que on connaît très bien l'avantage de finir les deux premiers, c'est une réception sur les phases finales. Après, on a pris un peu trop de retard en début de saison. Et puis maintenant, on va s'atteler à rattraper tout ça avec un calendrier peut-être un peu plus favorable maintenant, avec des équipes qui sont moins bien classées. Mais bon, c'est vrai que dans l'optimisme, on est confiant quand même. Oui. Quand on pense à Aubagne, on pense à cette année 2014 avec ce titre qui avait été glané de haute lutte contre mes yeux. Est-ce que c'est dans les mémoires, et est-ce que c'est ce petit truc là qui, tu sais, le parfum des phases finales, est-ce que c'est quelque chose que vous avez clairement dans votre sac à dos là, les deux coches d'Aubagne, pour préparer ces joutes qui vont être, j'imagine, exceptionnelles? Oui, après c'est vrai que quand on fait ce sport là l'avantage, c'est le seul moment vraiment agréable, c'est quand on arrive à ces phases finales où tout se joue sur un match, il rentre beaucoup de choses en compte. C'est vrai que l'année 2013-2014 a été pour nous extraordinaire, puisqu'on a été champion. On s'est rendu compte à la fin que quand pour être champion, il faut beaucoup de talent, mais il y a tout simplement qui rentre en compte, notamment la chance aussi, puis la négation. C'est un peu ce qui fait le graal du rugby, c'est de faire les phases finales. Après, on sait très bien, en ayant tout joué, que ça se joue à des détails. Ça se joue à des détails. Puis cette année-là, on a eu énormément de chance, mais aussi on est persuadé, quand on fait ce sport, que la chance, elle sourit aux gens qui travaillent et qui sont dans le dur. Donc c'est une grande chance pour nous, pour ce club-là. Puis en plus, dans un bassin qui est compliqué, parce que c'est un peu le côté de Marseille où le foot règne en maître. Et puis bon, c'est vrai que de faire parler d'Aubagne dans le rugby, pour nous, ça a été une grosse satisfaction. Très bien. Mois de février un peu bizarre là, avec des journées off à cause du tournoi, hein, ou grâce au tournoi, je sais pas comment il faut dire. Et tu as deux matchs, le Mourillon, Uzès. Attention, un mois de février qui pourrait être un mois piège. Un mois piège, ouais, c'est pour ça qu'il faudra avoir du respect pour toutes les équipes, que ce soit Uzès ou le Mourillon, qui sont en bas de tableau, mais quand même qui affichent des bons résultats, qui sont des équipes compliquées à manœuvrer. Ils n'ont pas trop de pression négative, donc c'est aussi l'avantage de ces clubs-là. Mais après, nous, si on veut figurer, il faudra prendre 5 points contre Uzès et 5 points contre le Mourillon, chose qu'on va essayer de faire. Ben écoute, on suivra. Ici, on a déjà reçu les Angles, ici, on a reçu le Ponte, on a reçu l'Île-sur-Sorgue, ben on aura reçu Aubagne, et on suivra vos aventures jusqu'à la fin de l'année, en espérant que parmi toutes ces équipes de la région, on est une équipe qui a eu jusqu'au bout, parce que, tu l'as dit, hein, on vit pour les phases finales, hein, au rugby. Hein. Alors, Yvan, si on poursuit donc sur les résultats, on vient d'évoquer donc la poule de Fédéral 3. Au niveau des résultats, on n'avait pas encore eu l'occasion d'en parler avec vous, les amis, mais on va aussi se pencher sur la poule de Fédéral 2. Qu'est-ce que ça donne un petit peu, cette poule de Fédéral 2, Yvan? Alors, cette poule de Fédéral 2, on a la Seine qui caracole en tête. On a 52 points. Encore des Varois. 52 points, avec Gruissant derrière qui est à 47, Berre à 39 et Lavalette qui est 7e à 34.
une question pour David par rapport à La Seigne. Je sais que tu as des atomes crochus avec cette ville. La Seigne qui caracole en tête, c'est un ascenseur. L'ascenseur est prévisible, non? La descente avec des ambitions de remonter instantanée. Oui, bien sûr, La Seigne a gardé les ambitions de monter, bon, a gardé le budget aussi pour pouvoir monter. Là, on est dans un critère assez difficile où on sait que le budget est important. Là, et au niveau de ce qu'il propose, c'est un jeu complet et normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis pour cette équipe-là. Mais bon, il faut gagner deux matchs après les poules, donc là après c'est compliqué, c'est phase finale, on sait très bien que sur un match il peut tout se passer après. Équipe entraînée par Martial Cotin qu'on embrasse, hein, et qui aurait pu être avec nous ce soir. Julien Capdelair aussi. Exactement, avec lui, et on espère les revoir en Fed 1 l'année prochaine. Côté Fed 1 justement, puisqu'on en parle. Juste avant la Fed 1, j'avais une autre question pour David. Tout à fait. David, La Seigne, côté ouest, La Valette, côté est. Comment en Fédéral 2, comment on vit dans l'emprise du RCT qui est juste là? Comment ça se passe justement? Moi, je suis né à La Seigne. J'ai évolué toute ma jeunesse à La Seigne. J'ai fait 10 ans de club. J'ai eu la chance d'être international cadet à La Seigne. Donc, mon cœur est seignois. Après, bien sûr, je respecte énormément La Valette parce que c'est toute une région. Quand vous avez eu la chance de jouer à RCT, vous savez que tous ces gens-là aime le RCT, que ce soit La Seigne ou Toulon. Mais bon, mon cœur à moi, après être rouge et noir, et rouge et bleu, je ne peux pas être... D'ailleurs, pour le derby, tu étais très partagé. Hein, tu ne savais pas trop de quel côté non, te mettre à table. Non, le derby, pour moi, c'était très clair. J'étais seignois. J'étais seignois, j'ai une cousine qui joue en réserve à La Seigne. Après, j'ai mon ami avec qui on a traversé, Gérald Orsoni, Léon Lopi, qui sont Seignois, avec qui on a eu la chance d'être champion de France à Toulon, partager notre jeunesse ensemble à la cité, à La Seigne, parce qu'on vient de la cité, donc on reste Seignois. Très bien, avec une belle victoire de La Seigne à La Valette, c'était il y a deux ou trois week-ends, une belle image pour le rugby varois sur un beau derby. On a fini avec la fête 2, on passe à la fête 1. Juste un petit rappel, avec Bourg qui est premier, 66 points, Aubenas 61, Narbonne 57, Nice 57, Bourgoin 54. Hier, Carquet qui a un match en moins, 6e, Béda 40 points, 7e, 8e, Nîmes avait 28 points. Château qui justement joue Carquet ce week-end, match en retard, avait 22 points. Serré 10e, 11e, Mazamé et Castanet qui eux ont un match en moins et jouent les uns contre les autres. Match important, Jean-Marc, que ce Castanet-Mazamé. Bien sûr, en plus, on a vu que tout se resserrait vers le bas, malheureusement, pour Serré, pour Château-Renard. On se rend compte que finalement, on pensait que Château-Renard allait se sortir du guépier plus facilement que prévu. Et on se rend compte que derrière, ça continue à travailler, ça continue à œuvrer, ça combat avec beaucoup de courage. Le match de Mazamé-Castanet est peut-être très important pour Château-Renard. Castanet-Mazamé. Voilà, Castanet-Mazamé, très important pour Château-Renard. Si Mazamé réussit un coup, ils reviennent dans le slip de Château-Renard. Tout à fait. Et à deux dans un slip, ça fait trop. Ça fait tout à fait, l'élastique, il risque de péter. Voilà, l'élastique. Fred, sur cette magnifique image, Château va justement à hier. Toi, on était entraîneur de Fête 3, tu es un peu au courant de tout ce qui se passe dans les autres clubs, j'imagine. Tu as un œil averti là-dessus. Hier, c'est solide. Oui, effectivement. Alors, je n'ai pas eu la chance de voir hier jouer cette année. J'ai eu la chance de les voir sur l'équipe 21 la semaine dernière. J'ai eu regardé Nice hier et j'ai été impressionné vraiment par la qualité de Nice, mais surtout de hier, vraiment, qui, avec beaucoup moins de moyens, arrive quand même à rendre des très bons résultats. Et c'est vrai que de perdre contre un point contre Bourg-en-Bresse à domicile, la semaine d'avant, ils avaient perdu hier à Nice avec quand même un score qui est flatteur. Donc c'est une équipe qui est en train de se mettre en marche et qui sera, je pense, compétitive dans un an ou deux pour voir peut-être plus. Très bien. Mais écoutez, on a fait le point avec les résultats régionaux. Hein. Vu que c'était une journée off, on ne va pas s'y attarder. On va passer au premier sujet de la soirée avant d'enchaîner sur le deuxième qui aura forcément un lien avec celui-là. Et on aurait aimé, sur Bipom TV, mettre à l'honneur
le Var, terre des guerriers, comme on l'a pompeusement titré. Mais clairement, Jean-Marc, les déplacements dans le Var, ça fait partie des bons souvenirs, non? Comme joueur et comme coach. Bien sûr que c'est des bons souvenirs. Quand on se met en danger, quand on a un petit peu le trac, c'est là qu'on trouve les vraies vertus. Bien sûr, on sait que quand on voyage chez eux, ça se passe toujours dans des conditions d'hommes. Voilà. Pas compliqué, des conditions d'hommes. Voilà. On rencontre des mecs qui ont des valeurs, des vertus, qui défendent de corps et âme leur race. Et c'est valorisant pour nous quand on arrive à faire un résultat là-bas. C'est rare, mais ça arrive de temps en temps. Donc voilà, non, mais après, on y retrouve des hommes fabuleux. Et d'ailleurs, on a gardé de belles amitiés avec Fred, avec Seb, avec Steph Oreille, avec David. On a... Après, c'est la confrontation qui fait l'homme. Je pense qu'à un moment donné, quand on a combattu contre eux, là, après, on a vraiment rendez-vous avec des vraies valeurs. Après, ils sont raides, ils ont le verbe haut, mais c'est des hommes avant tout. Hein. Tu as anticipé ma question que j'allais poser à Seb ou à Fred, en fonction de celui qui veut répondre. Mais vous deux qui avez joué dans plusieurs clubs du Var, en fait, cette identité varoise, elle passe au-dessus des clubs, non? Autrement dit, c'est plus une affaire d'homme, Seb. En fait, on ne s'en rend pas trop compte. On s'en rend compte quand on s'éloigne du village ou de la région. J'ai eu la chance de m'expatrier et de voir d'autres horizons. Et en fait, c'est avec les paroles des autres personnes qu'on se rend compte qu'on est différent. Donc je me suis toujours insurgé dans le sens où j'étais pas différent de nôtre, j'étais pas plus couillon et pas plus intelligent que nôtre. Mais par rapport au discours des autres, où ça revenait sans cesse, mais non, mais vous, c'est pas pareil. Et forcé de constater que je crois qu'on a quelque chose. Alors je suis pas en train de dire qu'on est supérieur aux autres. On a quelque chose de différent. Loin de là. Mais ouais, je avec les années passées, avec l'expérience, je crois qu'on a quelque chose de différent. Pas de meilleur, mais de différent. Où peut-être qu'on ne supporte pas d'être humilié, on ne supporte pas d'être rabaissé, on ne supporte pas d'être. De perdre la maison, même si c'est arrivé souvent, ça arrive. Peut-être que c'est voilà, ces valeurs-là, que ça vient pas de nous, ça vient des anciens, et il y a des années, on a réussi à perpétrer ça. Très bien, tu parles d'anciens justement, David. En 87 et 92, et pendant pendant plusieurs décennies, et encore maintenant, cette identité, elle a été véhiculée au plus haut niveau par le RCT. Vous aviez un gourou, un grand entraîneur, Daniel Herrero, et il savait, lui, comment aiguiser l'appétit de ces bandes de pirates, en fait. Quelques anecdotes intéressantes à nous raconter là-dessus. Oui, justement. Bien sûr, avec Daniel, Daniel, ça a été surtout un homme qui nous a apporté, surtout humainement. Il nous a apporté, parce que c'est un homme avec lequel on a pu voyager, on a fait le tour du monde, mais c'est un homme qui nous a apporté sur l'approche des matchs. C'était vraiment le côté humain, pas rubistique. Mais bon, après ça, c'est quelque chose qui n'arrivera plus jamais, quoi. Je veux dire, nous, aujourd'hui, on est... Allez, je ne vais pas vous mentir, on est une trentaine de copains, qu'on a été champion de France 87-92. On se retrouve tous les étés, on part en randonnée ensemble pendant une semaine, on se voit au quotidien. Bon, c'est quelque chose d'unique, quoi, honnêtement. C'est vrai que Daniel, là-dessus, sur l'humain, il a apporté énormément à ce club. Sur ce lien-là, il a créé des vraies relations. Tout à fait. Dans ces années-là, beaucoup, beaucoup de joueurs, je reviens à cette notion d'identité, étaient du Serail. Toi-même, de la Seine, mais quasiment tous les joueurs étaient du coin. Ah non, on était tous du coin, nous. Il y avait notre frère, hélas, qu'on a perdu, un grand homme qu'on appelait Barabas, qui était Eric Melville, c'était le seul étranger. Après, il y avait Pierre Trémouille, qui venait un peu de l'extérieur, il y avait Fourniol qui venait, mais sinon, on était tous du coin. Mais bon, après, c'était un rugby différent, quoi. C'était un rugby de clocher, nous, on est tous là. Franchement, nous, de porter le maillot du RCT, je veux dire, quand on l'a porté, je veux dire, ça reste à vie, quoi.
J'ai 50 ans, il m'arrive encore de rêver de mettre ce maillot. Donc ça peut pas s'expliquer, quoi. C'est quelque chose, tu le mettais, tu savais que tu faisais partie d'une famille, d'une identité. Et l'avantage qu'il y a, c'est que tu es toujours dans cette famille. On est toujours présent là-dedans. Tout à fait. Vous avez fait beaucoup d'envieux. Beaucoup de jeunes de l'époque auraient aimé jouer sous ces couleurs-là. Tout à l'heure, Seb parlait de différence. Quand on est coach, on la cultive cette différence, non, Fred? Oui, on la cultive. Puis après, c'est vrai qu'on se sert de l'expérience du passé, des entraîneurs qu'on a eus. Alors après, les formations sont là aussi pour donner une habilitation. Mais quoi qu'il en soit, quand on entraîne, on a toujours des entraîneurs qui vous marquent, des gens qui vous apportent un certain équilibre, surtout dans le jeu. Puis après aussi, bien sûr que c'est un rôle différent, mais qui se fait avec beaucoup de passion. Et le fait d'être varois, c'est vrai que là, moi, j'entraîne au Bagne, et qui est des Bouches-du-Rhône. Donc c'est quand même une mentalité, même s'il n'y a pas beaucoup de kilomètres, c'est une mentalité qui sont différentes. Donc aujourd'hui, on peut dire que Aubagne fait partie du cinquième club varois, parce que bon, aussi beaucoup de nombreux joueurs, on doit être une dizaine à venir aussi du Var, parce que le bassin phocéen ne permet pas d'amener des joueurs aussi à ce niveau. Donc inévitablement, il y a une passerelle qui se fait entre les Bouches-du-Rhône et le Var. Alors nous, on en fait partie aussi, mais c'est vrai qu'on essaie de varioriser les clubs dans lesquels on y va, parce que nous, les anciens, nous ont appris surtout à défendre le maillot au départ et puis de respecter les coéquipiers et puis tout ce qui va autour du rugby, quoi. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Tu le disais justement, David, autre rugby, autre mœurs aujourd'hui. On est conscient que c'est bien moins exacerbé. Mais quand on voit la férocité d'un Botha il y a 5-6 ans, quand on voit la férocité d'un SBS maintenant, et qu'on voit leur palmarès, n'y a-t-il pas une relation de cause à effet entre le combat avec le grand C, hein, celui qui nous fait baver, et la victoire, hein, David? Non, c'est sûr, c'est des gens. Là. De toute façon, sur les années, le club de Toulon a été trois fois champion d'Europe, une fois champion de France. Tous ces étrangers, il faut avouer, n'ont jamais triché sur le fait du maillot, sur le fait du club. Quand vous voyez un monstre comme Wilkinson, ce qu'il est arrivé à donner au RCT, c'est quelque chose de fabuleux. Même aujourd'hui, il en voit tout ça. Mais après, bon, on est dans un autre registre, quoi. C'est beaucoup d'étrangers, c'est beau. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas reprocher à ces gens-là de galvauder notre maillot, quoi. Ils le représentent, et ça, c'est une fierté pour tous les anciens qu'on est, quoi. Mais c'est vrai qu'on a une petite préférence demain. Si on voit un petit de la région comme Olivon, tout ça, percé, capitaine de l'équipe de France, pour nous, c'est un peu plus de fierté, quoi. Voilà. Tout en respectant ces monstres qui sont, quoi. Comme Wilkinson, comme tous ces grands joueurs qui ont porté ce maillot. Très bien. Ils me font des enchaînements ce soir. Parfait. Ils me parlent de Olivon et c'est la suite logique. Hein. Le troisième thème, mais on peut pas ne pas parler de l'actualité. Parce que hier ils nous ont régalé une magnifique victoire. Et alors, je ne sais pas si c'est parce que le capitaine de l'équipe de France est toulonnais maintenant, mais avec des valeurs hier dans le combat, on va y revenir. Eh bien, écoute. C'est plutôt intéressant. Eh bien, écoute. Eh bien, on va commencer par le combat. Allez. Et on va commencer par le combat parce que c'est quand même, c'est vrai dans le Var, mais il y a quand même d'autres territoires en France où on aime le combat, pas vrai, Jean-Marc? Bien sûr. Hein? C'est pas dans les cas eux. Hier, on a vu. Hier, on a vu une troisième ligne haut de gamme, un Leroux énorme, deux centres destructeurs d'entrée qui ont fait beaucoup de mal et qui ont annihilé tout espoir des Anglais. C'est un bon indicateur pour gagner. Quand on voit une troisième ligne qui est dominatrice, une seconde ligne qui a fait, je crois, 25 ou 23 plaquages, c'est énorme. Et une petite remarque encore, et je laisserai la parole à qui veut répondre à ça, mais quand on voit à 2 minutes de la fin
Dupont, qui n'est pas un habitué du fait, mais mettre un plaquage à 5 mètres de la ligne, non pas pour, pour arrêter l'action, mais pour détruire le porteur du ballon, on se dit, waouh, il y a qu'il y a eu quelque chose, une petite étincelle qui a fait comprendre que le combat était, était une condition sine qua non pour gagner un match de rugby, y compris un tournoi des destinations. Messieurs. Ouais, je pense que l'état d'esprit était irréprochable. Voilà. Après, je pense qu'on est en train de vivre. C'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais on est en train de vivre ce qu'on attend depuis un moment. Donner la chance un petit peu à notre formation et puis créer un nouvel état d'esprit. On a coupé un petit peu avec l'histoire qu'on avait de se dire qu'à un moment donné, on représentait quelque chose. Les jeunes prennent la main sur tout, sur le jeu, sur le combat, sur la conquête. Je veux dire, à un moment donné, il faut leur faire confiance. Et là, il y a des garçons qui sortaient de l'incognito, là, qui sont apparus au grand jour à tout le monde, là, qui sont vraiment fabuleux, quoi. On a des gamins qui sont énormes. Là, on fait rentrer à la fin, je pense que c'est le symbole du match. On fait rentrer le capitaine des moins de 20 qui est champion du monde, petit Vincent. Voilà, je pense que c'est un symbole, c'est une passation de pouvoir. À un moment donné, on est en train d'écrire une nouvelle page. Alors, j'entends souvent dire que le rugby a tellement changé, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Moi, ça me rend fou. On a eu l'occasion de l'échanger lors de nombreuses émissions. Voilà, ça, quand on a vu la finale de la Coupe du Monde. Je me mets en colère tout le temps parce que les gens ils disent, oui, tu comprends. C'est pas parce que le mec il passe 10 fois dans la semaine sur un terrain de rugby que le rugby change. Si tu n'as pas de mêlée, si tu n'as pas de buteur, si tu n'as pas de défense, tu peux ouvrir les portes à qui tu veux, tu ne seras jamais un gagnant sur un terrain. Donc à un moment donné, il faut mettre les valeurs où elles sont. Et là, les Minots, ils ont mis l'énergie qu'il fallait. Après, ils se sont un peu étiolés parce qu'ils ont un banc. Les Anglais qui est terrible, mais le combat était fabuleux, quoi. Je veux dire, les Minots se sont envoyés comme des ânes. Et voilà, c'est ce qu'on attend de voir. Mais c'est pas si compliqué que ça, finalement. Tu as raison dans ce que tu dis, parce que hier, ce qu'on a retrouvé, fort en conquête, on avait une mêlée, une belle mêlée. Pas longtemps. On va en parler, attention, attention, pas longtemps, pas longtemps, on a souffert. On a souffert, mais par rapport à ce que nous ont montré les Anglais et avant le match, on pensait peut-être souffrir. Ouais, Michel, plus. Tout à fait. On s'y rappelait qu'on avait un garçon qui a démarré, qui s'appelle Mohamed Awas, c'était sa première sélection. Tout à fait. Et okay. Qui n'a pas démérité. Quand on parle de conquête, en touche, on a été pas mal. Et puis, en défense, on a souvent fait reculer les Anglais qui ont eu du mal à franchir la ligne d'avantage. Donc, quand tu parles de valeur. Ouais, c'est déjà ça, la première. Collectivement, la valeur défensive, elle a été exceptionnelle. On fait 100%. Là, on oublie, je ne sais pas, les statistiques sur la défense, mais bon, c'est maigre. Après, honnêtement, on a encore. Ce qui est bon, c'est qu'on a une marge de progression en mêlée énorme. Tu as devancé les questions voilà. Qu'on allait poser, mais les touches. La moi, touche. Moi, contrairement à Karim, j'ai vu des déchets. Du déchet oui, bien sûr. Voilà, c'est pour ça. La conquête a été. En tant que professionnel de la mêlée, si je peux intervenir. Je te donne la parole. Je suis d'accord avec toi. Si je peux me permettre, M. Bigeot, je trouve qu'en mêlée, on n'a pas été très très bon. S'ils veulent un peu des cours. Surtout en début de deuxième mi-temps où on a souffert. Ouais. En début de deuxième mi-temps. Alors là, j'ai une question pour les Varois que vous êtes. Moi, j'ai été choqué, mais alors, c'est parce que peut-être. Comme ils viennent d'ici, on est peut-être un peu chauvin, mais j'ai été choqué quand il y a eu la présentation des joueurs que JB Gros ne soit pas ou titulaire ou remplaçant, parce que pour moi aujourd'hui c'est le pilier de demain avec lui et le petit Casté de Toulouse, on se régale de les voir jouer. Et est-ce que justement ce tempérament de guerrier qu'il a de combattant à ce moment-là où en mêlée on a commencé à souffrir, est-ce que ça aurait pas été quelque chose de positif pour l'équipe? Effectivement, c'est vrai que Jean-Baptiste fait un gros début de saison. On a dit qu'on était Varois, donc il fallait qu'on soit un peu chauvin, et c'est pour ça que je lance ça. Je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai que ceux qui sont aujourd'hui, ceux qui forment la première ligne d'équipe de France, c'est aussi une équipe qui est jeune aussi. On avait deux Toulousains avec le troisième, c'était. Pouks. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui est jeune et la mêlée, Jean-Marc me le dira, il sera peut-être
mieux calé que moi pour parler de la mêlée, mais bon, il n'y a jamais de vérité dans la mêlée. On peut être très bien sur 2-3 matchs, et puis après sur un match, il y a des choses, on essaie de tout expliquer dans le rugby, il y a des choses qui sont explicables, d'autres un peu moins. Après, c'est vrai que le travail d'une mêlée, c'est bien sûr très important, mais après, c'est vrai que le pack anglais affiche aujourd'hui, je pense, une des premières lignes les meilleures du monde. Donc on s'y est mis, alors c'est vrai qu'on a été bousculé, mais je ne nous ai pas senti très dominé, peut-être un peu sur la fin parce qu'on a coaché tardivement, mais sur le message qu'on a envoyé sur les 60 premières minutes, il laisse quand même présager de belles choses. Et après aussi des garçons comme Jean-Baptiste et d'autres, parce que je pense aussi à d'autres piliers qui peuvent aussi prétendre à l'équipe de France. Donc c'est à eux aussi à monter les trucs pour intégrer le groupe. Mais sur la mêlée, je pense qu'en France, on ne sera jamais trop en danger parce que c'est un secteur où on y travaille bien, où on a des bons joueurs, puis en plus on a la chance d'avoir aussi un bon entraîneur qui est Servat. Ah donc, oui, là on a une grosse pointure. Je pense qu'on a encore une belle marge de progression à avoir. Mais c'est vrai, comme tu le dis, Jean-Baptiste, après c'est à lui aussi à montrer les dents et puis faire voir que aussi il aura une carte à jouer. Il a tout l'avenir devant lui. Bien sûr. Seb, une petite question liée à la charnière, puisque en plus d'être spécialiste de la mêlée, tu étais aussi spécialiste de la charnière. Alors je vais me la permettre, hein. On a vu un Dupont galionesque, je me la suis permis. même si il a été cagoulé sur la dernière action, parce que ce jeu au pied dans la butte, hein, alors qu'il restait encore 30 secondes, c'était quand même assez cocasse. On a vu un Tamac propre, bien secondé par Jalibert les quelques morceaux de minutes qu'il a pu grappiller. Et là, je me replace dans le contexte Toulon équipe de France. Ça va être compliqué pour Serein et pour Carbo, puisque Carbo qu'on adore sur ce plateau, alors même qu'ils sont tout simplement des top players. On le voit depuis le début de la saison, hein. Cette charnière-là, Serein Carbo, c'est du très haut niveau. Donc ça, encore un bon indicateur pour l'équipe de France. On se retrouve avec des charnières de très très haut niveau, alors que ça fait quelques années que ce n'était pas notre point fort. En tout cas, on n'avait pas trop de choix. Seb. Et le club. Et le club en plus. C'est-à-dire qu'ils jouent toute l'année ensemble. Exactement. Je ne l'ai pas précisé, mais effectivement, les automatismes d'une charnière. Alors ça me conforte qu'un pilier parle de la charnière, comme j'ai pu parler de la première ligne. Au moins, je passe au moins pour un couillon. Ça c'est le premier point. Ça me rassure. Alors après, oui, on est là derrière une caméra, on est là devant la télé le dimanche, la critique est facile. Donc on peut tout se permettre, on peut tout dire. Mais si on nous donne la parole, eh bien, on ne va pas s'empêcher de dire ce qu'on pense. Tu nous as fait avancer l'émission, la fabuleuse. Voilà. Ben oui, après, que dire quand on voit un jeune comme Dupont qui fait un match irréprochable, si ce n'est la 79e, oui, après, ça peut être une erreur de jeunesse. Il y a 10 points d'écart, donc c'est pas grave. S'il y a eu 3 points, peut-être qu'il serait... C'était pour l'anecdote, hein, je ne le critiquais pas. Mais s'il y a 3 points, c'est pas une anecdote. Hein. S'il y a 3 points d'écart à la 19e que tu tapes en ballon mort, peut-être qu'il est dans son pays, je ne sais pas où il habite, mais peut-être qu'il n'est plus à Toulouse, peut-être déjà. Après, c'est des jeunes, ils ont 20 ans. Et depuis quelques années, moi j'ai rien inventé. Il faut laisser les minots pendant, si on juge qu'ils sont bons, il faut laisser 4 ans. Depuis X temps, on dit que les jeunes qui sont bons, ils sont bons, mais on les fait jouer 2 matchs. Et puis s'ils font un match moyen, on les enlève. Ben là, il faut les garder jusqu'à la Coupe du Monde, même s'ils font des matchs moyens. Là, ils ont fait un bon match, ils ont gagné. Mais même s'ils en font un moyen et qu'ils perdent, il faut les laisser jusqu'en 2024, c'est ça ? 2023. Il faut les laisser jusque-là avec Serein, avec Dupont, avec Ntamack. Et après, Jalibert ou Carbonel, peu importe. Mais les 5 ou 6 qui sont, il faut garder cet effectif-là et aller jusqu'en 2023. Et après, mais au moins, ils auront 4 ans d'expérience et après, on pourra faire un constat après. Mais à quoi ça sert de faire un constat au bout de 2 matchs ? C'est tellement facile. On peut dire qu'ils sont bons, ils ne sont pas bons. On peut le faire tous les dimanches, ça. Oui, ce que tu demandes finalement, Seb, c'est ni plus ni moins qu'on fasse une vraie reconstruction de cette équipe de France et qu'on laisse du temps aux joueurs, tout simplement. Ben, ça aurait dû être ça depuis des années. Oui. On est le seul sport collectif où on a, par an, on doit avoir 60 ou 70 sélections. Les mecs, ils partent en sélection l'été. C'est le seul sport au monde où
les mecs ils partent en sélection pendant qu'il y a la finale, donc les finalistes ne peuvent pas partir en tournée, donc on a X personnes qui ont des sélections, mais ils vont jouer les pauvres contre les Néo-Zélandais ou contre les Africains du Sud, ils en prennent 40 ou 50, ils font une demi-sélection, ils ne sont plus sélectionnés. Il n'y a rien de cohérent, enfin, si je peux me permettre, mais il faut les laisser 4 ans, et après on fera un constat au bout de 4 ans. Après c'est des choix aussi, c'est le choix des entraîneurs aussi. Après, je veux dire, moi, le petit Jean-Baptiste Gros, pour moi, je ne comprends pas qu'il ne soit pas dans la sélection. Après, ce sélectionneur, il sélectionne une deuxième ligne, là, celui qui vient d'être naturalisé, là, le Sud-Africain, tout ça. Bon, pour moi, je ne comprends pas tous ces choix-là. Après, lui, il a des idées, il faut fonctionner là-dessus, quoi. Mais bon, après, cette équipe de France, tu te dis, là, elle a des qualités. En plus, il peut y avoir des joueurs qui peuvent leur apporter un apport en plus. Tu as le petit talonneur, le petit Camille Chat, il n'est pas là. Mais tu sais qui te fait avancer, qui peut t'apporter encore. Tu as le petit Penaud à l'aile qui est un phénomène offensivement. Tu peux, ce petit Rates, là, qu'ils ont fait jouer, c'est des gens comme ça. Après, c'est des choix d'entraîneurs. Voilà, aujourd'hui, maintenant, moi, je ne suis pas d'accord avec tous ces choix. Mais je trouve que cette dynamique qu'il met avec ces jeunes et tout ça peut nous apporter que du bon. Parce que ce qui est important, c'est 2013. Hein, les amis, on s'en fout. Là, c'est super ce qu'il a fait, le mec. 2023, il file des jeunes. Encore plus qu'il file des jeunes, on arrive à gagner. C'est fantastique. Donc là, maintenant, je pense qu'il y a du choix à faire, quoi. Franchement, quoi. Il y a même encore des jeunes qui peuvent apporter un plus, quoi. Oui, il y a un vivier, effectivement, qui est disponible. Après, il y a aussi cette génération de champions du monde de moins de 20 ans sur laquelle on peut s'appuyer parce qu'ils ont montré leur talent aussi et il faut les incorporer petit à petit dans le collectif. Justement, David, je voulais te poser la question, et notamment en lien avec ce que Sébastien vient de dire. Quand tu commences à intégrer, à toucher un peu le groupe France, que tu es jeune, qu'il y a quelques artilleurs un peu plus anciens, un peu plus expérimentés, comment tu fais pour y rester? C'est quoi, toi, le conseil que tu donnerais à ces jeunes? Mais tu le vois sur ce match-là. Tu vois qu'il y a des jeunes qui rentrent, qui ont un talent fou. Là. Ils rentrent ce troisième ligne, ils rentrent ce pilier Bamba. Mais tu vois de suite qu'il manque de maturité. Tu le vois sur la première mêlée. Bamba, il est là, tout ça, il se fait défoncer. Il a souffert, il s'est fait défoncer. Hop, il s'est fait appeler par les entraîneurs au bord de la touche. Après, les mêlées sont bien passées. C'est rien, c'est un manque de maturité. Et ces petits, dans 3 ans, ils seront au top. Le troisième ligne, il reste 5 minutes à jouer. Il prend un ballon, il doit le garder. Il ne le garde pas, il fait la passe, on se fait intercepter à 20 mètres de notre ligne. Dans 2 ans, il ne le fera plus, ça. Mais c'est bien qu'il soit rentré, c'est bien qu'il soit dans le collectif. Et ça, je suis sûr qu'on va payer un moment ou l'autre, on va avoir les fruits de tout ça, quoi. Il faut leur laisser du temps. Il faut laisser du temps. Du temps avec un staff qui est quand même haut de gamme. Hein. Galtier, Labitte, Guézal, Servat, Edwards, on parlait de la défense tout à l'heure, Ibanez. On a un staff qui est sérieux avec des spécialistes. Ce que tu viens de dire pour la mêlée, le petit Mamba, il est allé au bord de la touche, et il y a Servat qui a glissé debout. Servat, on le sait. Ça a été instantané, c'est un seigneur de Servat. Servat, ça a été un phénomène. Maintenant, on ne peut pas dire, là, la seule personne où on a vu, moi, sur le match, où j'ai vu vraiment qu'il y a un travail qui a été fait, c'est sur la défense. Ah oui, énorme. Celui qui s'occupe de la défense, tu sais qu'il a fait du boulot. Edouard, après, moi, sur la touche, je n'ai pas vu de différence. On a perdu des ballons sur la mêlée, on s'est fait bouser. Je n'ai pas vu de différence non plus par rapport aux anciennes d'avant. Là, moi, la différence sur ce match, le mec qui a fait travailler la différence, il a fait du boulot. Là, tu te dis, il y a du travail qui a été effectué. Mais il ne faut pas critiquer, il faut être optimiste, il faut aller, même si tu n'es pas d'accord sur tous leurs choix. Tout à fait. Mais il faut être avec eux. Il faut être derrière eux. Il faut être derrière eux. Petit Dupont, c'est un phénomène. Moi, je ne vais pas vous dire, à la mi-temps, j'ai envoyé un petit texto à mon ami Jérôme Gallion, j'ai dit, c'est ton clone. Il me dit, je suis fier, David, que tu me dises, c'est un excellent joueur. Tu vois ces mecs, c'est agréable, quoi. Tu regardes le rugby, tu te dis, quel plaisir. Le petit Olivon. On va en parler d'Olivon. Ah, c'est une formule. Olivon, capitaine, on va l'appeler capitaine Olivon, d'ailleurs. Juste avant de parler d'Olivon, quand même, parce que tu as cité une bonne partie du staff,
tu en as oublié un, Thibaut Giroud. Parce que rappelez-vous, hein, quand oui, on n'a pas vu une différence par rapport à ceux qui avaient avant, mais il est en touche, mais on a un groupe qui n'a pas la même expérience. Moi, j'ai pas envie de bouder mon plaisir aujourd'hui quand je vois la prestation globale. Et quand je vois, parce que c'est aussi des réflexions qu'on se faisait il y a encore quelques mois en arrière, où on disait que physiquement, ils étaient aussi un peu courts. Quand on est arrivé en deuxième mi-temps, là, à la 60e, il y avait un creux. Alors, on a senti les Anglais revenir un peu dans le match hier, mais la fin du match, quand à un moment donné, on est acculé dans nos 22, j'ai pas senti les petits lâchés, quoi. Physiquement, il n'y a pas eu le creux, quoi. Il y a eu des valeurs de combat, alors peut-être un peu incarnées par Charles Olivon, dont tu veux parler, mais par rapport à ces jeunes qui ont été incorporés, je ne sais pas si vous auriez tous mis une pièce ou un billet hier avant le match. Moi, j'étais agréablement surpris. Sûr, on y a tous cru quand même, on y croyait. Hein. Après, le changement, c'est pour... Voilà, on l'attendait depuis un moment tous. Hein. On attendait qu'il se passe quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être un peu tôt pour dire, pour s'enflammer. Parce que, bon, après, c'est un frémissement. Voilà, parce qu'on connaît le français de base. Ça y est, on est champion du monde. La presse va commencer à balancer. Ils nous rendent fous, à part Big Pom, mais bon, ils nous rendent tous fous. Mais ils vont commencer à s'enflammer, à dire aussi, là, il faut les préserver, les petits. Mais c'est vrai que l'état d'esprit, il était irréprochable. Ils se sont battus les uns pour les autres, ils n'ont rien lâché. Il y a cette séquence à un mètre de la ligne où on ne lâche pas. Et là, tu te dis qu'à un moment donné, ils sont tous là pour. Ils sont prêts à mourir pour le maillot ou pour les copains. Parce qu'après, les copains, après, tu as le maillot, après, tu as le pays, tu as tout ce que tu veux, après, derrière. Mais il se passe un truc. Voilà. Alors, ça se passait sûrement avant, mais c'était moins flagrant parce qu'il y avait des mecs qui étaient un peu là de toutes les situations, les successions de non-dits, de ci, de là. Là, il faut les aider, il faut les accompagner. Là, on a une génération magnifique. On parlait tout à l'heure de Jean-Baptiste Legros. Moi, je suis un fan de ce minot parce que, bon, parce que je sais que... C'est son fan club ici, hein. Ouais, c'est une machine à la guerre. C'est quand même. Ah, ouais. Moi, je pense que... Mais bon, après les autres sont bons, Poirot et Rant, il fait une, ah ouais, une rampe extraordinaire. C'est lui qui va gratter le ballon, ben c'est voilà, une rampe extraordinaire. On a six pilars qui sont de haute voltige, on a 4-5 qui tournent autour en deuxième ligne. On a peut-être, il faut qu'on aille un peu plus à la recherche des deuxième ligne, mais après on a des hommes fabuleux. Même l'état si d'esprit. Deuxième ligne, hier, tu as Leroux qui fait un gros match. Ben énorme. Mais bon, peut-être qu'à côté, comme disait David, ça manque un petit peu. Ouais. Voilà. Après, voilà, il y a un staff qui est compétent, Ibanez, Galtier, contredit par tout le monde, par-ci, là. Mais c'est peut-être un homme de sélection. Peut-être que c'est l'homme qu'il nous fallait. Peut-être que c'est pas un homme qui est prêt à vivre au quotidien avec tout le monde. Mais c'est un mec qui est bon dans l'organisation, dans la mise en place, dans la méthodologie. Peut-être que c'est... Voilà. Après, on a peut-être mis le doigt sur quelque chose de bien. Hein. Et je pense qu'il va falloir qu'on les soutienne, comme disait David aussi là, tout à l'heure. Là. Il faut qu'on soit positif. Tout à fait. Bon, dès qu'il y a un mec qui fait une mauvaise passe, ben, écoute, ça arrive. Hein. J'en prends un, on prend 1000 joueurs. Si l'un qui n'a pas fait une mauvaise passe, hein, je fais une fourchette. Il y a un moment donné, il faut arrêter. Voilà, c'est comme ça, ça fait partie de... Il y a un mec qui faisait comme ça. Mais bon, je veux dire, à un moment donné, il faut... Voilà, il faut raison garder, puis il faut les protéger surtout. Oui. Voilà. Et on a envie d'être... Moi, je me suis dit, voilà, j'aimerais qu'on soit champion du monde avant de mourir quand même. J'ai 56 piges, il faudrait quand même que ça arrive, quand je prenne une que ça arrive, qu'il soit champion, pas que tu meurs. Que soit champion. Je prenne une vraie pistache, parce qu'à chaque fois, c'est toujours par défaut. J'en prenne une vraie truc à friter. Une pistache légitime, quoi. Voilà. Et moi, je suis à fond derrière. En parlant de pistache, tu nous resserres un pastis. Mais quand tu dis ça, Jean-Marc, il y a une phrase qui date de ce matin. Je pense que nous n'avons pas donné assez de crédit à la France. La France a été exceptionnelle. Oui, vous savez qui a dit Eddie ça, Jones, ça. Eddie Jones qui a dit ça. Alors écoute-moi, Eddie Jones... Il nous a parlé pendant un quart d'heure. Voilà, alors Eddie Jones, écoute-moi, il a... C'est lui qui a donné le match. Voilà, c'est grâce à lui qu'on a gagné. Il nous a donné la détermination. Voilà, alors qu'il les arrête de nous énerver. Il nous a rendu haineux. Voilà, alors écoute-moi, qu'il s'occupe des siens et nous on s'occupe des nôtres. Voilà, nous on a un staff qui est nickel. C'est pas grave ce qu'il a fait là. Il a la violence, pas la violence. En plus, c'est la réunion du VAR ce soir. Donc, il parle de la violence. S'ils en veulent de la violence, on peut leur en présenter. Je vais dire Manu, c'est le pire à ça. Attention, pas de problème. Voilà, voilà, faut pas, à un moment donné, voilà, c'est le problème de l'arrogance de l'anglais.
voilà, l'arrogance de l'anglais. Voilà, et on est heureux qu'ils aient payé. Quand. Parce que moi, je suis toujours là, Jeanne d'Arc. Je suis là encore, Jeanne d'Arc. Hein. Voilà, je ne l'ai pas connu, mais je me rappelle ce Brésil. On parlait d'état d'esprit. Fred, oui. Je vais revenir sur le capitaine Olivon. Il a eu des propos en fin de match qui sentent bon parce qu'il a parlé d'amitié, il a parlé de s'envoyer les uns pour les autres, il a parlé de choses qui nous sont courantes à nous de par les comment dire parce que c'était des vertus et des valeurs qui étaient cultivées, comme le disait justement David, dans le passé pour y arriver à bouger les montagnes. Et on l'a entendu dans la bouche du capitaine de l'équipe de France, et on l'a pas que entendu, on l'a vu. Ça va être un bon exemple pour le rugby français, non, de se mettre dans le panache de ce capitaine. Bien sûr, mais en plus, il est exemplaire déjà quand on a un capitaine comme ça qui est exemplaire sur et en dehors du terrain, c'est déjà très bien. Après, ce sport, il véhicule tellement de choses. C'est vrai que, inévitablement, si dans ce sport-là, on ne joue pas à 120%, si on n'est pas tolérant, si on ne fait pas des efforts pour aimer celui avec... C'est un sport, en fait, d'amour et d'amitié, comme dirait Céline Dion, mais... c'est un sport où, effectivement, avant de construire des joueurs, il faut construire un groupe. Et ce groupe, il ne s'arrête pas à 22. C'est un groupe, comme il disait, de 42, même si pour moi, 42, c'est quand même un peu trop élargi. Mais on a des bons joueurs en France. Il faut arrêter de regarder ce qui se fait ailleurs. Il faut garder notre culture française avec les entraîneurs qu'on a, les joueurs qu'on a. Moi, le seul regret que j'ai dans tout ça, c'est de ne pas voir Macalou jouer à l'équipe de France, parce que je suis un défendeur de Macalou. Et alors, la troisième ligne, tu m'en parlais tout à l'heure, a été très bonne. Mais j'ai quand même un gros regret pour ce joueur, parce que ça fait 3-4 ans qu'il est un des meilleurs troisième lignes de France. Alors, on l'a préféré à François Cross, qui a fait un bon match, effectivement. On ne peut pas dire, comme tu l'as dit, la troisième ligne a rayonné, la deuxième ligne aussi. Mais comme disait Jean-Marc aussi, on a des fois, je vois que Maestri joue en ce moment au Stade français. Maestri, c'est quand même... Voilà, monstrueux. Donc, alors, on essaie de mettre un coup de pied dans la fourmilière en me disant, c'est compliqué le problème qu'a l'équipe de France, mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir autant de joueurs. Donc maintenant, c'est vrai qu'il va falloir former un groupe. Et après, je suis honnêtement très confiant pour le tournoi, parce que le premier match à l'extérieur aussi va nous donner aussi le temps de voir ce qu'on va faire en Irlande et au Pays de Galles, donc ça sera compliqué aussi. Après, la réception de l'Italie, les France-Italie, c'est le plus mauvais match du tournoi depuis 45 ans. Hein. Moi, je crois que c'est le seul match que je ne regarde pas, parce que généralement, on en sort toujours déçu. Il n'y a rien pour nos amis italiens, mais bon, c'est vrai que c'est... Mais après, il faudra quand même qu'on montre ce même état d'esprit à l'extérieur aussi, puis on aura des réponses très rapidement, notamment à la fin du tournoi. Pour être très précis, on reçoit l'Italie le 9 février, on va au Pays de Galles le 22 février, on va en Écosse le 8 mars, on est en année paire, hein, ouais. et on reçoit chance, l'Irlande le 14 mars. Donc il y a un calendrier qui est sympa, puisqu'on va monter, crescendo. Exactement. J'ai une petite dernière question pour David ou pour Seb sur le côté charnière, mais pas que, la colonne vertébrale de cette équipe. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe de France avec un 15, un 10, un 9, un 8, un 2 qui domine la colonne vertébrale adverse. J'imagine que vous avez eu les mêmes discours de vos entraîneurs pendant des années et que vous mettez de l'importance sur cette colonne vertébrale. C'est encore un bon indicateur. Je fais de la redite par rapport à tout ce qu'on a mis en avant, mais finalement, cette colonne vertébrale, elle va être importante pour travailler sur la durée, non, Seb ? Évidemment, j'aimerais bien entendre David parler sur la colonne vertébrale, lui qui joue à l'aile. David. Non, après, c'est vrai qu'elle est importante. 2, 8, 9, 10, 15. Mais là, bon, moi, sur cette colonne vertébrale, je mettrais le 8 et le 9 énorme. Le 8 et le 9. Après, je pense qu'après le 2, ça peut être amélioré par Servat. Après le 10, il faut voir la concurrence avec le demi d'ouverture de Bègle. Jalibert. Après en 15, il y a aussi Ramos qui peut jouer. Donc l'avantage qu'il y a à cette équipe, c'est qu'il y a du monde en plus. Voilà, c'est qu'il y a du monde. Après, c'est vrai que quand tu parlais il y a 5 minutes, Olivon qui dit bon, on aime jouer avec cette équipe, avec ses joueurs, se sacrifier pour le copain. Mais bon, heureusement, quoi. Heureusement. On en revient. C'est de tous les temps, ça. Je veux dire, comment avant eux, les mecs, ils n'avaient pas envie de se sacrifier pour les copains. Donc là, moi, après, j'ai du mal à comprendre ça. Là, ce qu'il dit le petit, c'est une vérité. Si tu joues rugby, il faut savoir te sacrifier pour ton pote. Mmh. S'ils ne l'ont pas fait avant, ça veut dire ou ils nous ont menti ou ils étaient mauvais. Ou ils se sont mentis.
Ouais, ça après, bon, j'en sais rien. Après, bon, moi, je ne connais pas, mais ce talonneur qu'avant, qui était Guirado, j'ai jamais vu ce mec penser qu'il trichait, moi, hein, franchement. Après, non, il a été dans une spirale de défaite, mais c'est pas un mec. Voilà. Après, moi, là, je pense que vraiment, sur ce que j'ai vu, là, de la différence par rapport, c'était défensif, quoi. J'ai vu, putain, des mecs s'envoyer, qui n'avaient pas peur. Et je pense que le travail, il a été surtout là, qu'ils se sont envoyés, qu'ils ont donné, quoi. Mais bon, après, c'est la base du rugby. Si tu ne te sacrifies pas pour le copain, il faut changer de boulot. Hein. Très bien. Seb. Pour en revenir sur la question que tu nous as posée, enfin, moi, si, j'aimerais qu'une chose, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que… Laisser travailler. C'est ça. Mais, et c'est qu'on les laisse. Après, on est 66 millions, 67 millions, peu importe. Et à Saint-Héros, je ne sais pas combien on est, 20 ou 30 millions, peu importe. C'est toujours pareil, quoi. Tu poses la question à tout le monde, il y a 50 équipes de France qui sont faites. Moi, je m'en fous. Il y a des sélectionneurs qui sont là pour sélectionner. C'est leur choix. Jean-Marc, il a ses choix. Fred a ses choix. David a ses choix. Moi, j'ai les miens, peu importe. Mais qu'ils les laissent travailler pendant 4 ans. Et après, au moins, tu peux faire un constat cohérent. Tu peux dire, on s'en fout de ce qu'on dit, mais au moins, tu peux faire un constat. C'est bien, c'est pas bien, mais… Tu ne peux pas dire c'est bien ou c'est pas bien sur 1, 2, 3, 4 matchs. Tout à fait. Laisser pendant 4 ans. Et après la Coupe du Monde, eh ben, ils feront un constat. Et ils continuent ou ils ne continuent pas dans cet état d'esprit. Après, sur un talonneur, sur un 9, sur un 10, sur un 15, le 15, il a été bon. La fois d'après, il peut passer à côté. Il peut se trouver sur la première chandelle. Je pense que c'est le système qui est exigeant. Donc on va le tuer, le 15, le Minon. Là, il a été bon, tant mieux pour lui. S'il n'est pas bon, qu'est-ce qu'on fait? On le fond? Et il rentre chez lui à Montpellier et on en prend un autre. Ben non. Voilà, tant mieux pour lui, ben ça continue. Mais même s'il n'avait pas été bon, il aurait fallu le garder. Écoute, je pense qu'on peut conclure ce chapitre sur la parole du sage de la soirée. Parce qu'il a raison, ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'on veut? On veut du temps, on veut les laisser travailler. On a une équipe où c'est un peu mélangé. On a des jeunes, on a des encadrants qui sont super intéressants. On a un staff qui est pléthorique et compétent. Laissons-les travailler, soyons à fond derrière eux, ça j'ai retenu, hein. David l'a dit, Jean-Marc l'a dit, il faut être à fond derrière eux parce que comme l'avait fait l'Angleterre en Australie, une Coupe du Monde, ça se prépare 4 ans avant pour la gagner. Et si on laisse travailler les gens pendant 4 ans, on a le matos qui était sur le terrain et qui était dans les tribunes et qui n'était pas convoqué, on a la qualité pour y arriver et dans 4 ans, on viendra boire un coup au Pradet. Hein. Ou alors au Halle de Toulon. On ira boire un coup au Halle de Toulon. Voilà. Si je peux juste mettre un petit bémol sur le sage de la soirée. Là, écoute-moi, tu as mis le pied dans la. Écoute, c'est un ancien neuf. Si c'est lui le sage de la soirée. Un ancien neuf, c'est toujours le plus sage. David, toi qui es un neuf refoulé, les neufs, c'est vraiment les plus sages. Les neufs, c'est les plus sages. Alors, sur un vécu. Jérôme Gallion, c'est un sage. Quand même. Ouais. C'est ça le problème. Si je n'avais pas croisé Jérôme Gallion et Patouvial dans ma vie, pas Trivial à la Seine, c'est vrai que les neufs, c'est du haut de gamme. Bon, après, Seb, il a toujours jamais fait des chirurgiens dentistes. Hein. Mais parce qu'il y a toujours une exception qui confirme la règle. Bravo. Juste sur ça ou pas? Non. Juste, on n'a pas terminé. Sébastien, on n'a pas terminé encore. Non, juste, on clôture la page équipe de France. Très brièvement, messieurs, en deux mots. Et on est super bon dans le timing. Irlande-Écosse et Pays de Galles-Italie, par rapport à ce que nous, on a vu hier entre la France et l'Angleterre, vous avez regardé, vous en avez pensé quoi? Énorme. Irlande-Écosse, c'est énorme. C'est énorme. Les Écossais ont été énormes. The Watson, là, quand il veut. C'est énorme. Franchement, de l'intensité, du jeu, du déplacement, du volume, mais c'est magique. Et même des mêlées maintenant. Mais Jean-Marc, la mêlée très performante. Et des mêlées maintenant. Mais Jean-Marc, il en manque un truc. Faut marquer. Ouais, mais ça fait faut marquer. Les Écossais, ils ont fait un gros match, mais ils n'ont pas marqué. Ça fait rien. C'est ce qui leur a manqué. Les Irlandais, ils ont moins bien joué, ils ont marqué, eux. Je pense que le gros test, ça va être au Pays de Galles. Hein. Ah, honnêtement, pour la France, là, on va prendre les Italiens. Italie, 9 février. Ouais. Voilà, ça. Mais après, on va au Pays de Galles. Pays de Galles, le 22 février. Je pense honnêtement que ça va être le vrai test. Et derrière, on va en Écosse. Et après, on a une semaine de repos et on va en Écosse. Je pense qu'au Pays de Galles, ça va être terrible. Le match de l'Italie, c'est gagné, David? Non.
Ah ça bon. Va être match, il a dit Fred. Je crois qu'on ira, je sais pas, on va aller. Parce que le match de l'Italie, c'est un peu comme le tournoi de février, Fred. Oui, exactement. Parce que c'est là qu'ils veulent jouer sur, sur l'auto-sportif. Si le match il est gagné, toi, tu veux jouer. Non, après, bon, moi je suis un peu italien. Mais bon, on va pas s'en sortir. Enfin, c'est pas possible. L'Italie, Jean-Pierre, c'est nouveau. Marquis, je suis de Roberti. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Fred, de l'Italie? Alors, moi, je pense que l'Italie n'a rien à faire dans le tournoi de destination. Je vais être clair, net et précis. Donc, je vous donne un message aux Italiens. Faites du foot et arrêtez le rugby. Voilà. Je ne vais pas vous mentir, les gars. Au foot, ça peut passer. Au rugby. Je suis même prêt à proposer un truc. J'aimerais que la dernière place du tournoi de destination. Elles sont données d'office. Hein. Soit jouées entre le dernier et qu'il y ait un tournoi. Et la Géorgie. Qui est un tournoi avec, le tournoi B et que le premier des tournois B rentre dans le tournoi A l'année d'après. Ça nous permettrait de voir l'Espagne, cher Amandi Diaz, en prendre 200. Le Portugal, cher Ivo Moraes. Le Portugal, cher Alinda de Souza aussi, en prendre. Donc, les Italiens, je vous dis, aujourd'hui, je vois des Italiens. Rentrez chez vous. C'était pas la touche humoristique de la soirée. Il est non, très sérieux. On a pas fini. Maintenant, on va enchaîner. Maintenant, on va enchaîner sur la touche un peu sympa de la soirée. Parce que, c'était pas sympa jusqu'à maintenant. On a quand même dit 4 conneries. Ouais. Mais là, maintenant, on va peut-être les dire au carré, les conneries. La surprise du coach. On va y aller. Parce que il faut que vous sachiez, messieurs, qu'on a pris l'habitude au monde des Time Rugby, en fait, de toujours finir avec un petit moment un peu sympa. Alors, on vient vous chercher sur des petits jeux un peu ludiques. Hein. C'est pas du skill, c'est pas de l'atelier, mais on vient voir ce que vous avez un peu au fond. Voilà, donc on vous fera pas chanter, mais on a prévu quelques petites questions. Bon, moi, j'ai une question directos pour Seb, parce qu'en ce moment, ça fait l'actualité. Alors, on est plutôt sur du quiz. Hein. Ou je sais pas, du monde des Time. Il n'y a pas de joker ou pas parce que... Il n'y a pas de joker, mais ça va être facile pour toi. Ça va être facile pour toi et je vais à peine commencer que tu vas trouver. Parce que je vais toucher à ton cœur. Quel club sportif refait l'actualité quasi 40 ans après? La Rascasse. Exactement, l'emblème de la Rascasse. Donc on parle bien du Sporting. Alors, notre ami Luigi. Luigi Alfano. On espère qu'il vit des moments un peu compliqués. Mais on espère, même si ça va être dur, parce qu'on passe dans l'actualité, mais pas dans la bonne actualité, pour les initiés qui connaissent la FFL, Fédération Française de la Loose, on vient d'y passer. La Rascasse n'a pas gagné depuis, je ne vais pas dire de bêtises, mais presque 20 matchs, 19 ou 20 matchs. Mais on est confiants. On est confiant et Dieu sait qu'ils nous ont fait rêver dans ces années 80-90 là avec des matchs de haute volée plus que à Mayol, mais aussi à Beaurencontre. À Beaurencontre, et ils se partageaient à l'époque, David y jouait. Exactement. David qui est presque à la retraite, qui a joué par même temps entre le foot et le rugby, mais effectivement, ils se partageaient avec Mayol. Mais on espère que, parce que c'est notre fierté aussi, la Rascasse, moi j'ai eu la chance d'y faire la chance. J'ai joué au foot et au rugby et T'as joué jusqu'à tard d'ailleurs, hein. 18 ans non? Ouais, jusqu'à 18 ans, ouais. Et c'est ma ville quoi, donc ça me peine qu'ils en soient là, mais tant que mathématiquement c'est possible, on y croit. Eh bien super. On sera à fond derrière eux. Quel beau club. Allez, une spéciale Fred. C'est une question qui m'a été posée par Internet, justement. Hein. D'après toi, Fred, quel a été l'ailier le plus lent de la Pro D2 que tu aies jamais vu? L'ailier le plus lent de la Pro D2 que j'ai vu... Ça, écoute-moi, regarde ton entourage. Qui c'est qui a pu balancer ça dans ton entourage? Ça, c'est pas beau. Je remercie l'internaute qui m'a posé cette question. À part Kuzbik, très beau Kuzbik. À part Kuzbik, je dirais peut-être. Le seul ailier qui n'a pas été flashé. Non, beaucoup de respect pour Kuzbik, il avait un autre rôle intéressant. Après, les plus lents de la Pro D2,
Je parle dans les années 2000. Là. Oui, ben, je dirais peut-être Soussini Bouka quand il est arrivé de trois semaines en Fidji. Et après, généralement, en Pro D2, les ailiers sont proches du chauffeur de bus ou du mec bon, qui est toi, qui complète tout la ça, feuille de match. Tout ça pour pas dire qu'il a joué ailier en Pro D2. Je ne suis pas tombé dans le piège en disant mon nom. T'as vu ça. J'ai une spéciale là pour Jean-Marc ou pour David, parce qu'il a dû le jouer. Tout à l'heure, on parlait de soldats, de combattants. Qui était le troisième ligne ou talonneur d'ailleurs, récemment décédé, qui a toujours combattu dignement contre le RCT. Il est décédé au mois de novembre. Gilbert Brunin. Tout à fait. C'était un monstre. Puis un mec merveilleux. Au-delà d'être un super joueur, c'est un homme merveilleux. J'ai eu la chance de le croiser, de jouer contre lui. Je voulais le mettre à l'honneur aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est pas un Marois. Par contre, ce qu'il a démontré sur tous les terrains de France et contre le RCT, ça a toujours été à la hauteur des espérances des guerriers. Il a joué à Lourdes. Et il a entraîné les jeunes de Beaurepaire. Il a joué à Grenoble, non ? Il a joué à Grenoble. Et les années que tu connais, c'est les années 86 à 93. Nous, c'était à Grenoble. On l'a joué plusieurs fois. Plusieurs fois. Un mec exceptionnel. Après, moi, en tant qu'homme, je ne le connais pas parce que bon, ça s'est jamais bien passé. Ça s'est jamais bien passé. Donc après, on a eu du mal à parler ensemble. Mais surtout Léon. Beaucoup de mal à parler avec lui, Léon Loupier. Mais après, bon, sur le terrain, c'était des hommes... phénoménal, quoi. Ouais. Tu sais qu'il y avait, tu pouvais aller à la guerre avec eux, quoi, qu'il n'y avait pas de soucis. Quoi. Et tu les respectais en tant qu'adversaire. Tout à fait. C'était un super éducateur. Justement, j'ai une question par rapport à ça, et celle va être pour toi. Alors, David, j'étais au Vélodrome, alors je ne sais pas si c'était en 92 ou 93, un match avec la sélection Sud-Est. Qui s'était pas bien passé. Il y avait eu une grosse générale avec une seconde ligne de l'Afrique du Sud là, qui avait fait du ménage. Pourtant, vous étiez équipé, tu avais quand même. Non, on n'était pas équipé, c'est ça le problème. On a eu la chance de faire des sélections avant équipées. Et là, ce qui nous a sauvés, c'est le grillage. S'il n'y a pas le grillage, on finit dans le port, direct. On avait à un moment donné, vu qu'on prenait. On prenait la rafale, on a dit bon, un peu les guingassés, et là, bon, c'est les grillages qui nous ont sauvés, quoi. Parce que, bon, sinon, on finissait dans le port. Jean-Marc, il rigole, mais on a connu la même chose l'année de Madudias contre la Géorgie, qui venait préparer la Coupe du Monde. On a reçu une leçon. Hein. Manu, il doit s'en souvenir encore, il devait avoir honte de nous. Il ne veut pas s'en souvenir, Manu, de tout. On l'embrasse d'ailleurs. Manu, on l'embrasse et on ne t'oublie pas. Peut-être qu'on parlera de toi un peu plus tard dans la soirée. Juste. Moi, je vais vous en poser une question un peu en mode qui est, et on va voir qui est le plus rapide d'entre vous. J'ai cru comprendre que certains d'entre vous l'avaient côtoyé. Plus rapide sur le terrain, l'avaient côtoyé de plus près, ben on va pouvoir le constater. Si je vous dis, j'ai 57 ans, je mesure 1m96, j'étais un grand guerrier dans mon club. 1m96, moi j'y crois pas. Ah merde. J'étais un grand guerrier dans mon club, 42 sélections en équipe de France. Éric Chan. Oui, mais bon, c'était rapide, bien sûr. Ouais. Rapide, effectivement. Éric Champ. Éric Champ, donc, qui a fait sa première sélection contre l'Argentine le 22 juin 1985 et sa dernière le 19 octobre 1991 contre l'Angleterre qu'on a joué hier. Tu as une nouvelle spéciale ? Oh, ben, je ne sais pas. Une petite à Seb, peut-être, puisqu'il n'osait pas le dire. Mais quel est le joueur légendaire du RCT ? Je pèse mes mots, là. Légendaire du RCT. Qui a entraîné Château. Tu avais dit que tu ne sais pas. Laisse-moi réfléchir. Gilles Panzani. Minos. C'est ce que j'allais dire. Et la seconde question, c'est quel était le nom de son chien ? Minos. Non, c'était Minos, viens ici. L'illustre. L'illustre, le grand, le respectable, le... Fabuleux. Le grand Manuel. Qu'on embrasse, qui a passé deux saisons ici à Château et qui a laissé dans le cœur de ses joueurs un souvenir mémorable, tellement il déborde d'humanisme, d'amour, de violence, de férocité, de tout ce que tu veux. Tous les adjectifs qui le caractérisent, on peut en faire... on peut les rentrer au livre Guinness des records. Et on l'embrasse et je crois que tous autour du plateau, ici en tout cas, nous sommes tous unanimes. Complètement.
Deuxième joueur à reconnaître, messieurs. Ça va peut-être un peu plus dur. Je suis né donc le 22 août 1987. Je joue seconde ligne, 2m02. J'ai joué à Toulon entre 2015 et 2016. Je suis aussi passé par Agen, Oyonnax, Castres. Je suis né à Oloron-Sainte-Marie. J'ai été champion de France de top 14 en 2018 et champion de France en Pro D2 en 2010 et 2013. Le fils de son père. J'ai un papa très connu. Le fils de son père. J'ai un papa qui est député dans les Pyrénées-Atlantiques. Le fils de son père. On parle bien entendu de Thibaut Lassalle. Thibaut Lassalle, effectivement. 2m02 ? 2m02. Un petit gabarit. Je le voyais beaucoup plus. En fait, il s'est déguisé en berger basque à la maternelle et ils lui ont laissé les échasses. Qu'est-ce qu'il est devenu, celui-là ? Il y a Oyonnax. Il joue à Oyonnax. Il est remonté à Oyonnax. D'accord, ok. Il joue à Oyonnax en Pro D2. Et allez, une petite dernière pour le plaisir. Je pense que David va trouver très très rapidement. Je suis né le 5 octobre 1962. Je joue 3e ligne. J'ai été champion de France en 87 et en 92. L'Indien, la légende, notre légende, hein. La Louve, Thierry Louvet. C'est pas les footings torse nu sur le bord de la plage, c'est lui là. C'est lui, avec les cheveux, c'est là, notre là. Légende. Mais écoutez messieurs, on a fini notre quiz qui était vraiment axé sur le VAR. Sur le VAR, hein. La salle, il n'est pas du VAR, hein, les amis. Ah non. Il a joué à Toulon. Un quart d'heure. C'était le petit piège. Effectivement. Donc ça va être, à part si vous avez une petite anecdote croustillante à nous sortir sur le sprint final, mais autrement ça va être l'heure de nous quitter, de rassurer Mathieu Delranc. Un petit clin d'œil à Eric Melville, on en a parlé à midi. Tout à fait. Qui a été un monstre quand même de joueur, d'homme. Un petit clin d'œil à Eric Melville, je pense que c'est... C'était notre grand frère. C'était le plus solide d'entre nous, c'était le plus solide, le plus humble, et c'est celui qui est parti le premier. Ouais. Mais bon, on va le rejoindre. Le plus tard possible. Pas ce soir. Allez, bah écoutez, c'est le moment de vous remercier, messieurs. Merci encore une fois d'avoir fait le déplacement jusqu'à notre plateau du Monde des Time Rugby. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Bien entendu, on parle d'une émission sur le rugby, donc fidèle à nos valeurs. Ça n'est que la deuxième mi-temps qui se termine. Ça ne s'arrête pas là. On va pouvoir poursuivre avec la troisième mi-temps. Voire la quatrième. J'en profite pour remercier tous nos partenaires, que ce soit Big Pom TV, Vision Audiovisuelle, Ambition Web, qui nous ont aidés donc, pour la réalisation de l'émission et pour le site internet. Bien entendu, comme on le répète à chaque fois, la société AXO qui nous accueille dans ses locaux. Nos amis de chez Soli Events pour le décor. Le domaine des Blaquières, messieurs, vous aurez peut-être l'occasion d'y goûter un jour. Le seul vrai vigneron de Château-Renard qui nous fait son propre vin. On l'a goûté, c'est pas mauvais. Et puis, bien entendu, l'ensemble des restaurants partenaires, que ce soit le Jimi Hendrix, le Bouche à Oreille, le Mas Gourmand, Camille en Provence, la Grappe et le bistrot de Mathieu chez notre ami Lucas qui nous accueille ce soir. On en profite aussi pour remercier tous nos fidèles abonnés, tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Désolé pour les petits problèmes techniques qu'on a rencontrés pendant l'émission, mais j'espère que, notamment grâce à nos invités, vous avez pu passer un bon moment. Et vous voyez, on a parlé de rugby encore une fois et on est rentré dans ce détail après ce beau match de l'équipe de France qu'on a vu hier. N'oubliez pas, encore une fois, si vous le souhaitez, de liker, de partager, de commenter, d'aller mettre un petit j'aime sur notre émission Big Pom TV pour continuer à nous suivre. Yvan, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? J'ai deux petites choses à rajouter. Vas-y. Déjà, on va saluer nos compères du foot et du basket. On va leur souhaiter beaucoup de chance et beaucoup de réussite pour les prochaines émissions. Ce sont les stars montantes, nos compères du foot et du basket. Lundi prochain, nos amis du basket qui seront avec vous. Et j'aimerais sincèrement vous remercier tous les quatre. Vous avez été bonnards, comme on dit chez vous. Ça a été un plaisir d'accueillir sur notre plateau de telles personnalités, avec forcément un petit, avec des lueurs dans les yeux quand on voit David Jobert, parce que moi j'avais 15 ans en 87, donc cette finale, je l'avais regardée avec le maillot du RCT sur les épaules, comme supporter à fond de cette fabuleuse génération qui nous a fait rêver. Petite anecdote,
le dimanche soir à Stade 2, c'était un plaisir que de voir les Toulonnais mettre les Grenoblois sur le cul. C'est une petite anecdote pour mes cousins de Grenoble. Que je disais là. Voilà. En tout cas. Et de LSD, oui, à Hugo et à Valérie. On vous embrasse, on vous souhaite une très belle fin de saison. Monsieur, qui est le seul en activité encore, hein, Fred. Oui, bah, écoute, je te remercie, en espérant que les beaux jours reviennent avec des résultats. Après, bon, on va une pensée aussi pour le patinage artistique qui traverse le mauvais talent dans ce moment. Donc, on soutient tout le monde, et notamment certains entraîneurs. J'aurais jamais dû lui redonner la parole. Vive Big Pom, on vous salue, on vous embrasse. On vous retrouve lundi 2 mars pour une nouvelle émission du Monday Time Rugby. Donc, n'oubliez pas, les amis, de continuer à nous suivre. Vous verrez une émission un peu spéciale où on aura du beau monde autour de la table et je ne retiens plus personne. Là, ça y est, on a déjà attaqué la troisième mi-temps. Salut les amis, merci. Ciao, ciao. Ciao.